reste du monde, est-ce que vous êtes prêts? Non. Je rappelle que vous devez avoir tout mangé, plus rien dans l'assiette et surtout rien dans la bouche. Pour l'épreuve collective de ce matin, chacun a sa propre cloche et le premier devra ouvrir la cloche, manger ce qu'il a à l'intérieur. Dès que la personne aura fini de tout avaler et tirer la langue à Catalia, ça sera la deuxième personne de pouvoir ouvrir la cloche et manger ce qu'il y a sous la cloche, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Océane, inspire, expire. Moi, peu importe ce qu'il y a, je le mange. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a des personnes comme Maëva. Et Maëva, on sait très bien qu'elle fait du cinéma, qu'elle n'a pas envie de manger. Donc, ça va être compliqué. Je croise les doigts, j'espère que tout va se passer comme prévu et qu'on va enfin gagner le reste du monde. Parce que je n'en peux plus de perdre. Alors, on commence pour les Marseillais avec Julien. Et pour le reste du monde, Luna. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ma vie entière qui s'écroule. J'ai l'impression que je suis en train de vivre un cauchemar vivant. J'ai l'impression comme jamais. J'ose pas leur dire, mais si jamais c'est des insectes ou un escargot ou quoi que ce soit, je pourrais jamais le manger. Dès que Julien ou Luna auront fini, on enchaîne sur la gauche. Alors, quelle famille va remporter un nouveau membre ou un contrat à 2000 points pour la finale? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Bien, les Marseillais, le reste du monde, est-ce que vous êtes prêts? Julien, Luna, attention, 3, 2, 1, top! Vas-y, regarde pas! Oh, c'est des biscuits! C'est petit beurre! Oh mon Dieu! Merci, merci la vie, merci l'univers! C'est des biscuits, j'aime trop ça, c'est trop trop bon, je kiffe trop. Toi-même t'as un gros. Toi-même t'as? Toi-même t'as un gros. Mais mange tout raté, allez. Et t'es mou. Mais toi-même t'as. C'est une galère. C'est une galère. Vas-y. Allez. Ah ouais, c'est horrible sans bois. Allez, vas-y, 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 accélère. Humidifie au max. Ah, ça a l'air très bon pour Luna. Accélère, accélère. Tu as une grande bouche. Mais deux par deux. Allez, frater, allez, 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 frater. Mets tout dans la bouche, frère. Fermez-la. Allez, vas-y, laisse-le. Allez, laissez-le, laissez-le. Allez, on est une équipe, on s'encourage, les gars. J'ai jamais vu un mec aussi mou pour manger des petits beurres. On dirait un papy, il est là. Accélère, Jules, accélère. Ça va, tu n'as pas un truc de fou dans ton assiette. Mais allez, Julien, mais laisse-le, laisse-le, laisse-le faire. S'il n'arrive pas, il va pas s'inventer un truc. Il faut bien mâcher, je veux rien voir. Les gars, si on se met la pression, on est mort. Allez, Luna, t'es la meilleure. Ah. Allez, Luna. Allez, frère, t'es bien. Pas de pression. Je ne veux rien voir dans la bouche, hein. C'est quand même pas facile parce que de manger des biscuits sans eau, ben, c'est un peu épais dans la bouche. J'arrive même pas à avaler, je vais m'étouffer. Si je recrache, on a perdu. Donc je préfère prendre un peu plus de temps et rien recracher. Allez, frater, c'est bien. Allez, c'est tout bon. Wow. Allez, c'est bien raté. Voilà. C'est bon, Luna, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vite, vite, tu vas finir. Allez. Passe ta langue partout. Ouais. Allez. Ah, validé. Validé. Je finis les gâteaux. Ha ha. J'ai gagné, je suis trop contente. C'est peut-être un petit gabarit, mais je sais me goinfrer. Ma sauce, tu peux y aller. Go. C'est un piment. Vite, vite. C'était le plus long, frérot. Ah ouais, mais frérot, allez. Validé. Vas-y, Paga. Vas-y, Paga. Bastos, il a déjà pris de l'avance. Ça fait déjà plus de 15 secondes. Il mange ce qu'il y a dans l'assiette. Qu'est-ce que je fais? J'envoie tout dans la bouche et là, je crois que... J'avale. J'ai la bouche, elle est en feu. J'arrive plus à avaler la salive. J'ai l'impression de m'étrangler comme ça. Wow, faut rien laisser dans l'assiette. Je commence à ressentir une chaleur intense. J'ai très très mal. J'ai la bouche en feu et tout l'estomac en feu. C'est horrible. Je crois que je vais vomir. Vas-y, Faga. À la balle. À la balle. Il y a quoi? Il n'y a plus rien dans l'assiette. Validé. C'est bon. Et ça démarre très très bien. On a beaucoup d'avance, franchement, on est très très fort. C'est au tour maintenant de Tristan. Allez, Tristan. C'est mort. Oh, ta mère. C'est quoi? Oh. Allez, Tristan. C'est quoi? C'est un cerveau. Oh. Oui. Un cerveau. Avale. Avale. Avale, 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 avale. Vas-y, avale. Allez, pense que c'est une protéine. Mon frère, vomis pas. Bouge-toi le nez, bouge-toi le nez, bouge-toi le nez, bouge-toi le nez, bouge-toi le nez. Vomis, surtout pas. C'est tout liant, tout mou. Et en plus, ça pue. Mais il y a une odeur de... C'est horrible. Oh putain, arrive, on n'a pas envie de vomir. Tristan, vas-y,
T'es mangeable. Je sais, mon frère. Réfléchis pas. Vas-y, Tristan. T'es mangeable. Si, avale. Pense à autre chose. Pense à un burger. Bouge ton nez. Pense à un goût du burger. Pense à un goût de burger. Voilà, c'est un hamburger. Tranquille, voilà. C'est en train de me coller sur les gencives de porte où j'essaye de mâcher. C'est tellement pâteux que c'est en train de me rester bloqué dans la gorge. En fait, je me dis que je pourrai jamais finir en fait cette épreuve. C'est bon. Catalina. Validé. Ah non, je veux pas, c'est impossible. Impossible. Je peux pas, mais c'est impossible, les gars. Mais c'est un cerveau, les gars. C'est impossible. Mais Eva, c'est de la viande, c'est de la viande. C'est impossible. C'est pas vrai, c'est de la viande. Pour moi, c'est panique à bord, je suis tétanisée. C'est facile pour eux, il y a Paga qui a eu un piment et Julien qui a eu des petits beurres. Moi, je suis en train de manger un cerveau taille humaine, mais c'est impossible. Moi, j'ai peur des cerveaux. Ah, je peux pas toucher. C'est impossible. Ah, c'est bon. Tout est impossible avec toi. Le rodéo, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Tout est impossible, frère. J'arrive pas. Là, clairement, hier, Maëva, je l'ai sauvée en cérémonie. Elle m'a dit qu'elle allait tout donner. Et là, aujourd'hui, ben, elle fait n'importe quoi. Elle veut pas manger cette cervelle. Je deviens fou. Maëva, c'est la viande, c'est l'arnaque, c'est pas vrai. Je veux pas la vie de ma mère, je peux pas. Oh, mais mange, t'as mangé un scolopane, Maëva, mange. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes encore? C'est impossible. Il y a des 20 frères qui mangent des cerveaux, là, vous cassez les... Je peux pas. Maëva est en train de soulever, elle fait un carnage. Elle hurle. Je me dis que là, Tristan, en ce moment-là, il peut vraiment, vraiment creuser les gars. Crache surtout pas, vomis surtout pas. Fais une pause, respire. On va aller le chercher. Allez, on va aller chercher ce contrat. Allez. Je suis bien chaud. Je vais faire le finish. Tristan, faut qu'il mâche, faut qu'il avale, mais ça me fait des frissons, ça a l'air tellement horrible ce qu'il est en train de manger. Et moi je flippe, je sais pas ce qu'il y a encore sous ma cloche. Mais vas-y, pas essayer. Non, j'arriverai pas. Virez-moi et éliminez-moi, j'arrive pas. Je peux pas. Maëva, essaye, Maëva au moins. Si tu le fais, on gagne. Moi vraiment, j'essaie de la motiver parce que je vois qu'il y a Tristan à côté. Qui même lui a du mal à le manger. Donc clairement c'est encore possible de rattraper le coup. Si tu le fais on gagne chérie. Goûte pour voir. J'arrive pas. Goûte pour voir. Si tu manges on gagne. Tu manges on gagne. Goûte pour voir. Voilà, c'est bien. Bravo. Allez, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai du goût de cerveau dans ma bouche frère. Oh, j'ai même plus envie de jouer avec des gens comme ça. J'essaie, en fait. À nouveau, il y a tout le monde qui me tombe dessus. Mais j'aimerais bien qu'ils soient à ma place. Là, j'ai envie que cette épreuve s'arrête. Là, je suis triste, je suis au bout de ma vie. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est pas ma journée. J'ai guigne sur guigne. C'est validé. Mélanie, tu peux y aller. Quoi qu'il arrive, je mangerai ce qu'il y a dans mon assiette. Il faut que je montre à ma famille que je suis capable. Il faut que je montre que j'ai du mental et que je suis prête à tout pour la compétition. Des vers de terre. Je pleure, je craque, je suis en crise de panique. J'ai peur du truc qu'il y a dans mon assiette. Ça me répugne. Allez, c'est bon, non, c'est rien. Non, je vous jure, je peux passer au truc. Allez, Mélanie, imagine que c'est des oignons frits. Bébé, ferme les yeux, vas-y. Bébé, c'est rien, tu peux toucher. J'ai mangé une cervelle. Mais c'est bon. Mais non, ils sont morts. Mais c'est grillé, regarde. Bébé, j'ai mangé une cervelle. C'est des chips. Et je suis stressée, je suis tout en même temps. Je me dis, si je les mange pas, en fait, je vais perdre ma famille. Et ça, je peux pas me le permettre. Allez. Mel, moi, ça, j'aimerais bien. Je te le dis, ça, c'est rien. Ça, c'est rien, Mel. C'est quoi? C'est des chips. C'est des chips. Attention, allez. Si tu craches, c'est pas validé. Hein. Oh, fais ça, arrête ici, Maëva. J'arrive pas. Allez, mon cœur, sois forte. Mélanie, t'en es où? Mel. Mais j'en ai trop, Catalina. Mel, t'es la meilleure, allez. Vas-y. Bah, elle le fait. Allez, Mel, t'es bien. Ou dans ta gueule. Ouais, dans ta tronche. Mélanie, elle est incroyable, elle est épatante, elle a un courage, elle a un mental de malade. Elle est juste impressionnante. Je sais pas, moi, si j'aurais eu le courage de manger les asticots comme elle les mange, elle. J'essaie de me concentrer, j'arrive. Ouais. Oh ouais, jette la moitié, frère. Oh ouais. Allez, finis-le. Il te reste plus rien, finis-le. Vas-y, finis ça, Maëva.
Non, donnez-moi de l'eau. On peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait l'effort de manger le cerveau. Elle l'a quand même essayé. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Si Maëva n'arrive pas à le manger, clairement, bah, c'est perdu pour tout le monde. Mélanie est toujours en course. Mélanie, vas-y, allez, bravo, bravo, la bravo, Mélanie. T'es la meilleure. T'es trop forte. C'est beau, Catalia. Validé. Julien, c'est ton tour. Ah, c'est quoi? Ah, des escargots. Julien, c'est des bulots. Oh, oh là 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 là, que c'est dur, je suis en train de le mâchouiller, mais j'arrive pas à avaler. Allez, abandonne, Maïva, tu mangeras pas. Me forcez pas à manger mes bigorneaux. Laisse-la seule, Océane, pousse-toi. Vous êtes devant vous. Vas-y, allez, allez, ferme tes yeux. Vas-y, avale. C'est de la purée. Voilà. C'est de la purée au poisson. Voilà. Bah, Emma, elle mange, mais elle recrache tout. Mais il faut surtout pas recracher, parce que si tu recraches, bah, tu as perdu. Mais on est quand même là dans une compète, à un moment donné. Tu as une cervelle à manger, bouffe-la, on n'en parle plus. J'ai l'impression qu'elle n'est pas à 100% et ça m'énerve. Julien, pour les Marseillais, est-ce que votre famille déclare forfait? Est-ce que Maëva veut manger le reste de son plat ou pas? Non. Tu finis pas? Non. Les Marseillais, je ne peux pas valider votre épreuve. Je l'ai tellement. On est tous dégoûtés. On est abattus, on est dans le down et je pense qu'on peut pas toucher plus bas. Et merci Maëva. Hein. Cette épreuve collective est remportée par le reste du monde. Yeah, on a géré, c'est on a géré. Le reste du monde gagne pour la quatrième fois consécutive une épreuve collective. C'est là qu'on voit qu'on est une vraie famille. C'est là que l'entraînement a marché. Ça a porté ses fruits. On gagne tout, on rase tout. On est au sommet, on est sur un nuage. C'est incroyable ce qui se passe. La cervelle, je la mange, je m'en bats les couilles, frérot. On pourra rien faire. Je me bouche le nez, les yeux de ma daronne, je mange la cervelle. Ouais, manger le cerveau. Oui, ouais, je l'aurais mangé, ouais. Ouais, je l'aurais jamais. Manger, je me mentalise, je le mange. Bah, éliminez-moi, ouais. Je m'en bats les couilles. Quel humain mange des cerveaux, moi j'y arrive pas, ça me dégoûte. Et puis en plus, même si je l'avais dans la bouche, ma trachée ne voulait pas avaler alors que mon cerveau lui disait d'avaler. Le reste du monde, félicitations. Merci Castalia. Merci les gars. Quatrième épreuve collective remportée depuis le début de cette aventure. Incroyable. C'est carré ou pas? Je me retourne vers vous les Marseillais. Maïva, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Catalia, je suis un être humain, je peux pas manger des cerveaux, c'est impossible. J'ai essayé, j'ai tout fait pour le manger, mais c'est impossible. Tristan l'a fait? Oui, Tristan, mais Maïva, elle peut pas manger un cerveau. Et pourquoi Maïva ne peut pas manger de cerveau? Parce que c'est trop dur. J'ai essayé, j'ai mis dans ma bouche. C'est pas comme si j'ai dit non, je déclare forfait, j'ai essayé. Moi, je suis là, je pose mes coronets, piment, plein fer, pour que derrière. La cervelle, je peux pas. Mais j'ai des bras cassés dans mon équipe. Comment vous voulez que je soulève la coupe? Il y a que des bras cassés dans ma team. C'est un délire, c'est un délire. Voilà, je vais rester chez moi, jouer au boule. Bon, le reste du monde, encore une fois, bravo et félicitations. Merci pour votre courage. Vous avez le choix. Alors, soit un nouveau membre dans votre famille, ce qui veut dire que dès ce soir, vous serez 8, ou un contrat à 2000 points, mais ce qui sera validé lors de la dernière cérémonie. On fait quoi? On discute un peu? C'est bon? Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. À l'unanimité? Ouais. Allez. Alors Nicolas, en tant que chef de famille, qu'avez-vous décidé? Je pense qu'on est assez fort comme ça, on va prendre les points à 2000 pour la finale. Très bien Nicolas! Merci. Voici ton contrat à 2000 points! Mon équipe, elle est invincible. Voilà, il n'y a personne qui affaiblit. Il y a tout le monde qui est au maximum de sa forme. Et après notre banqueroute, le plus gros contrat de l'aventure, c'est maintenant 2000 points pour la cérémonie finale. Tout est bien qui finit bien. En tout cas, les Marseillais, le reste du monde, vous le savez, ce n'est pas tout de remporter une épreuve. Encore faut-il apporter un maximum de points lors des battles professionnels. Et cette semaine, il y a 3 battles, comme d'habitude, avec à la gagne 2300 points. Sans plus attendre, voici la première battle de la semaine. C'est une battle à 800 points. Une battle de Dirty Dancing. Oh, oh j'adore. Du côté des Marseillais sont attendus Paga, Océane. Moi déjà, je suis souple comme un manche à balai. Je ne sais pas danser avec mes jambes de girafe, clairement. Mais c'est quand même 800 points à la clé. Je vais m'entraîner, je vais tout faire. Et je sais que Paga, bah, des fois, il est plein de surprises. Paga, c'est tout faire, c'est comme un couteau suisse. Face à vous, Nicolas Luna. Oh,
Moi ? Tu vas pouvoir bien la porter. T'as de la force, elle est légère. La deuxième battle de cette semaine est une battle à 500 points. C'est une battle de caisse à savon. Ah, j'adore. Bien, alors, du côté du reste du monde, Julien, Tristan et je sais pas. À trois ? Trois personnes. Ouais. Quand j'étais petit, je m'amusais à faire des petites voiturettes et machin avec des petites planches. Donc du coup, je me dis qu'en fait, bah, ça va le faire. Donc voilà, les 500 points, c'est direct dans la pocket. Et du côté des Marseillais, Greg, Flo et Maëva. Moi, un truc comme ça, c'est ma vie, gros. Dès qu'on me dit Maëva dans un truc, je dis hop. Julien, j'ai tout gagné au début. Maëva et Greg en battle, ils vont faire que se crier dessus. C'est comme si on part avec 50% de chance en moins de gagner, quoi. Ce battle, il me fait peur. Ce n'est pas tout, il nous reste une dernière battle. Alors cette fois, c'est une battle en famille, à 1000 points. Ah, écoutez. C'est une battle de gamelle. Des chutes ? Même gamelle, c'est un bisou. Vous le verrez. Mais en tout cas, les Marseillais, le reste du monde, c'est tout pour cette épreuve collective. On se retrouve très vite pour un nouveau duel des champions. Merci, Catalia. Salut, Catalia. Allez, en attendant, donnez tout pour les battles. Ah, c'est ce qu'on fait, je crois, là. Oui. Allez. Les petits Marseillais, on va vous éclater toute l'année. Ça y est, on décide de rentrer à la villa. On chante, on crie, on danse. Les Marseillais l'ont mérité. 4-0 en épreuve collective dans leur trogne, on est trop faux. La 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 la. Hey! 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 Les! Oh, ça a servi ce camp d'entraînement. 2000 Faga, Océane, Maëva, oui, nous, Flo, peut... Bébé, je veux moi. On arrive à la villa et là, direct, je fais une réunion. Je vais essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que ben, là, clairement, le point faible, c'est un petit peu Maëva. J'ai l'impression que Maëva, t'as pas envie de gagner. Je te dis la vérité, j'ai l'impression que t'as pas la rage. J'ai l'impression que voilà, tu viens, tu fais tes petites histoires. J'ai l'impression que tu ne donnes pas à 100% et je comprends pas pourquoi. On est là, on a tous envie de gagner. Bah écoutez, déjà, là en partant à l'épreuve, j'étais pas bien déjà mentalement parce que Simon il est parti. Maintenant, pendant l'épreuve, j'ai essayé. C'est-à-dire, c'est pas comme si je l'avais pas fait, j'ai essayé de le faire. J'ai toujours été le maillon faible. C'est vrai que je suis pas la plus forte de l'équipe. Maintenant, dans un battle, je suis fort. J'ai gagné beaucoup de battles. C'est pas une question d'être la plus forte ou pas, c'est une question que j'ai l'impression que t'as pas l'envie, tu vois. Si, t'as ouvert le plat, t'as mis 10 minutes à mettre une première bouchée et à pleurer devant, t'as fait des pieds. Tu prends le truc qui t'a pleuré, ouais, tu voilà. Prends, tu le manges et même, ben, tant pis, si tu as craché, je l'ai mis deux fois dans la bouche. Ouais, mais j'arrivais pas. Je gagne tout à chaque fois, on peut pas m'en vouloir quand je perds quelque chose une seule fois. Surtout que là, il faut me comprendre et se mettre à ma place. C'était un cerveau, je peux pas manger de cerveau, moi. À un moment donné, on a le droit à l'erreur une seule fois dans sa vie, il n'y a pas mort d'homme. Moi, vraiment, j'ai envie de gagner la coupe. Mais là, si on continue comme ça, on va se prendre une veste, on va se faire fumer et j'ai pas envie. Ratamé, frère. J'ai pas envie. Moi aussi, j'ai pas envie. J'ai personne n'a envie, je pense. Hein. Donc là, j'aimerais que cette semaine, on gagne tout, on se donne à fond. On a perdu une bataille, mais on va gagner la guerre, frère. Donc c'est pas grave, on se remotive, tête, hein. On se donne à fond et j'espère que cette semaine, on va la gagner, mais vraiment. J'espère vraiment qu'on va la gagner. Alors, on a perdu une bataille, on a pas perdu la guerre et je donnerai tout à la prochaine épreuve collective et au job. Allez, venons, on fait un clip des Marseillais. Allez. Allez, lève-toi, Maëva. Allez, Maëva. Qu'est-ce que tu fais? Mais il goûte. Greg! Je goûte. Mais j'ai rien mis, tu dis j'ai mis que l'huile d'olive. J'aime trop moi l'huile d'olive, salée pour avoir l'huile d'olive. Il suffit que c'est toi qui l'ai fait, quoi qu'il arrive, ça sera bon. Ce que tu m'as mis, c'est dégueulasse, j'aimerais. T'as le sourire, Greg, hein? Ouais. C'est le champignon! Vas-y! Non. Yes, Flo et moi, on a le champignon, ça fait 500 points pour les Marseillais. Allez, on reprend du pôle de la bête. Ah, mais t'es là. Mais moi aussi, j'y étais. J'étais dans le barbecue, qui parlait avec Djoula. Ma parole, je vais mettre une tente à côté du champignon. Ah, et toi, tu t'es fait bloquer par Tanti. Je l'ai bloqué, je me suis interposé. Fais
La une hernie, le mec, il a réussi à avoir le champignon magique, c'est un truc de fou. Mais bon, ce soir, on a une battle qui vaut 1000 points, une battle en famille de photoshoot gamelle. Faut qu'on donne tout pour cette battle. Bon, attends, je me sors une petite tenue. Bon, mais quoi comme tenue ce soir, battle? C'est pas gamelle, c'est quoi une gamelle? Des cascades? Ouais, je pense semblant que quelqu'un tombe. On se prépare parce que ce soir, on est une battle photoshoot gamelle. Et là, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que ça peut être une gamelle? Pour moi, c'est embrasser quelqu'un. Donc en fait, on s'habille sans trop savoir ce qu'on fait. Mais franchement, il va falloir le remporter. Depuis le départ de Simon, à l'intérieur de moi, ça va pas, mais j'essaye de relativiser. Je suis aussi là pour la compétition, je suis restée pour ma famille. Donc, je vais tout donner et je vais me battre à fond. Ah, les gars, je crois qu'il y a du monde. Enfin, il y a une personne. Ah, bonsoir les Marseillais. Et le reste du monde? J'appréhende un petit peu cette battle, on manque beaucoup de cohésion d'équipe cette année et j'espère qu'on va réussir au moins à s'écouter et à prendre des bonnes décisions pour remporter ce battle. On a la pression, on peut pas se manquer sur cette battle, c'est 1000 points à la clé, c'est trop important. Bonsoir les Marseillais, bonsoir le reste du monde. Bonsoir. Moi c'est Brenda. Salut et Brenda. Donc ce soir je viens vous présenter votre battle qui est la gamelle. Est-ce que ça vous parle? Faut rouler des galoches? Non, vous avez pas besoin de battle, je crois, pour ça. Faut se casser la gueule et se prendre en photo. Exactement. Tu es en pleine gamelle, en fait. Donc, t'es par terre et, en fait, avec des objets, exemple, si tu vas dans la cuisine, tu mets de la nourriture, ce que tu veux, des assiettes ou quoi que ce soit par terre avec toi. Il faudra réaliser 3 photos. Je veux pas que ça se ressemble. Vraiment, variété, créativité, esthétique. Il va falloir qu'on reproduise des chutes avec des objets et en photoshoot. Ça me fait pas trop peur parce que le photoshoot, c'est un peu mon truc. J'espère une nouvelle fois apporter un max à ma famille. Donc vous aurez 30 minutes. Donc ok, je compte sur vous. Ouais. Créativité, variété. Esthétique. Esthétique, exactement. Ok. Ouais. Moi, j'essaie le défi avec le maquillage. Allez. Allez, Maëva, tu es la chef battle. Hein. Allez, Maëva, c'est la chef battle, elle a besoin de nous montrer aujourd'hui. Pour la battle de ce soir, il faut vraiment que je donne tout parce que tout à l'heure, je me suis pris une engueulade de ma famille parce qu'on a perdu l'épreuve collective à cause de moi. Là, il va vraiment falloir que je me rattrape ce soir et que je montre à ma famille que je mérite ma place. 3, 2, 1, top. Venez, on a une idée. C'est quoi? Allez, on laisse. Mets les petites jokes, comment? Mais... Allez, prenez la photo. C'est pas mal. Oula, vous faites pas mal quand même. Moi, ni une, ni deux. Moi, je veux que ça soit naturel. Je veux que ça soit quelque chose de vrai. Je veux que ça soit une vraie photo. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je me casse la figure et je me jette dans un buisson. Au moins, ça sera une vraie chute. Non, c'est attends, pas esthétique. C'est pas bien, c'est pas bien. Regardez la lumière. Faut qu'on se mette la tête en avant. Vous avez tué les fleurs. Oh, maintenant que vous y êtes, allez-y. Ouais. Attends, et moi, je me mets sur elle comme ça. Ouais, bien ça. La pompe, là. Non, mais les gars, il y a pas assez de luminosité et tout. Les gars, ce sera pas beau, je vous le dis. Ouais, il y a trop d'ombre, c'est moche. C'est pas bon. Ah ben, on se casse alors. Allez, venez. Ok, on a sauté dans les fleurs pour rien. Là, le problème avec notre première photo, c'est que la luminosité, elle est affreuse. On voit quasiment rien sur la photo. Donc là, on a déjà quand même perdu beaucoup de temps. Il faut vite qu'on trouve une autre idée, qu'on trouve un autre décor. Allez, Flo, mets-toi torse nu. Mets-toi torse nu. Ah oui, tu mets tous les poids. Allez, Flo, mets-toi torse nu. Tu tombes de là. Je dois me rattraper. Donc du coup, je décide de vraiment prendre les choses en main. Et là, on commence à essayer de faire semblant de tomber à la salle de sport en mettant plein d'éléments de sport derrière. Mets-toi par terre. Mais fais ça. Mais oui, mais là, il fait dans le mouvement. Voilà. Voilà, exactement, parfait. Voilà. Mets les pieds. Julien pas. À côté, tout le monde à côté. Je te le, vas-y, mets ta main. Mets tes poids. Baga, j'ai une idée. Chacun tombe d'une machine, je prends la photo comme ça. Tout le monde tombe du sport. Baga, tu tombes du sport. Tout le monde tombe du sport. Voilà, parfait. C'est bon? Waouh! On se dit que c'est une plutôt bonne idée. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on a une cohésion d'équipe, personne crie, tout le monde s'écoute, et ça, c'est le top. Bougez pas. Parfait, vous êtes bien là. Ah ouais, elle tue. Elle tue. C'est bon, c'est bon. Génial. Bravo. Parfait. Allez, salle de bain. Océane, Maëva, salle de bain. Et on ferait pas un truc tous à côté, autour du champignon, genre en mode on a tous essayé de l'attraper et genre on est tous étalés. Là, il y a de la lumière, il y a 3 spots dessus.
Allez, go. Tu vois, genre, on s'est battu pour arriver jusqu'au champignon et personne n'est arrivé. Bah, et c'est moi qui vous prends en photo, allez. Faut un qui est comme ça, genre, tu vois. Enlevez vos chaussures. Et derrière, les autres, ils le tiennent. Un qui ouais, ou même Mini Joe. Un qui t'attrape par le pied. Mettez-vous un peu à terre là-bas, petit Joe. Mais les gars, c'est pas vraiment une gabelle, c'est un accrochage, ça. Ouais, mais c'est bien. Ah ben voilà, pas besoin d'être plus. Vas-y. Oh, c'est attends, bon. Je sais comment. Il y a de la lumière, hein. Mais les filles, vous êtes pas en gamelle là, vous êtes en. Ouais, voilà, ça c'est bien, ça bouge c'est plus, bien. Bouge pas. Josépa, Josépina, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Elle est très excitée. Le départ de Simon, ça a provoqué quelque chose. Pas ce qu'on pensait. Alors, je recule. Vous en pensez quoi? Oh bah ça ressemble à rien. Ah oui. T'es trop loin. Ah oui, on a pris le moins bon photographe. Là. Là, c'est bien là. Là c'est bien. Ouais, oh, t'es trop loin. Mais t'es trop loin, mais sinon, il n'y a t'es pas trop loin. T'as pas elle fait la mise au point sur le bon côté. Cadre. Franchement, pour le moment, je suis pas très sereine. Pour moi, ça ressemble plus à des comas qu'autre chose. Mais c'est hyper compliqué. Les filles, vous êtes pas en gamelle. Luna, ça sert à rien. Oui, tu caches petite joue. Regarde-moi. Tu caches petite joue. Eh ben, laisse juste petite joue alors. Hein. Alors. Voilà, comme ça. Et fais genre, tu appuies dessus. Non, fais pas la même position qu'elle. Ouais, allez, c'est bon, allez, validé. Voilà, ça c'est mieux. Bah, allez, fais la bouffe, cuisine. Bien. Allez, je suis dans la bouffe. Ça, c'est beaucoup mieux. Tu vois la photo? Ouais. Bah oui. On a déjà pris deux photos. Il nous en reste plus qu'une. Mais les minutes, elles passent. Enfin, à cause du champignon, on a pris quand même beaucoup de retard. Et il nous reste plus beaucoup de temps. Donc, faut vraiment qu'on se dépêche si on veut rendre les trois photos à temps. Je vais chercher ma trousse à maquillage. Mais ça a été fait, ça, le maquillage et tout. Tu sais ce que j'ai fait absolument? Les talons, c'est la prendre. Les talons, c'est facile à prendre. Avec les chaussures. Les talons. Une valise. Et on explose la valise et plein d'argent à terre. Allez, c'est bon. Alors, attends, vas-y. Avec Maëva, on a une idée, c'est de faire semblant de tomber d'une valise. Qui dit valise, dit vacances. Donc le but, c'est de mettre un maximum eh bien, de produits dans la valise, comme des talons, des crèmes, des maillots de bain, plein de choses qui sont en relation avec les vacances. Maëva, tu vas t'allonger. Regarde, là. Tu prends un livre, mets un livre pas si là, tu veux. Pas là. Comme ça, pas regarde. Pas là. Oui, c'est bien, comme ça. La vie de ma mère, c'est bien. Et t'as lu les cheveux? Mets les cheveux, même avant au sol. C'est très bien, là. Oh, mais je veux. Allez, là, ça balique. C'est allez, bon, frère, tu veux gagner couille, ou pas? C'est bon, là, non? Mais non. Chut, arrête, Océane, s'il te plaît. Arrête, Océane, s'il te plaît. Océane, arrête de râler, s'il te plaît, en fait. On s'en bat les flambites, tes cheveux. Nous, on veut gagner. C'est pour ça qu'on est vraiment dans les détails. Attends. Oh, bouge plus, c'est magnifique. Là, tu vois tout. Bouge plus, c'est magnifique. Tu vois tout. Il y a le tapis. Pas grave, ne prends pas le tapis. Non, je ne vois pas ces talons. Non, la crème solaire. Enlève le tapis, Flo. Enlève le tapis. Non, les talons, là. C'est magnifique, bougez plus. Bravo, les filles, c'est magique. Bravo, on est des monstres, les gars. Si on ne gagne pas là. Regarde, c'est magique. Incroyable. Je crois que c'est incroyable, frère. Ah ouais, génial. Regardez. Chiki, clac, clou, bim, bam, boum, chiki, 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 aïe, aïe, aïe. Finger is a noise. Deuxième photo, magnifique. Je suis un génie. Oh my god. Génial. Oh my god, avec les lunettes et tout. La moitié du temps est écoulée. Attends. Il vous reste 15 minutes. Okay. Il reste une photo. J'ai une autre idée. Dans la cuisine. Là, non, au milieu. Dans la cuisine. Bah oui, là sur la table, c'est génial. Ah, vas-y. C'est génial. Mais une personne, ça. Je la prends d'au-dessus. On peut se mettre un comme ça en travers, un comme ça, on peut s'en mettre d'au-dessus. Mais oui. Vous faites genre que c'est une bagarre. Mais plusieurs personnes. Quelqu'un qui s'est disputé et vous tombez sur la table. Voilà, mets plusieurs personnes. Allez, je vais aller au milieu. Foutez la bouffe sur moi. Allez, mets-toi torse nu, voilà. Allez, vas-y. Vas-y, on va mettre des madeleines. Non, vas-y, allez, solide. Non, là, ça va être parfait. Ça va être parfait. Et fais genre, tu manges. Ouais, sors bien le bide. Ça y est, on a une idée, il y a de la bouffe de partout sur la table. Qui dit bouffe? Qui dit Nico, dit photobouffe. Donc on l'allonge sur la table. Alors soit on est à fond dans le thème, soit on est hors thème. Mais on l'attend. Allez, c'est bon, on l'a. Reculez-vous, je vous vois là. C'est parfait. Voilà. Mais ça y est, on a gagné avec elle. Bon, Nico, allez, Nico, merci pour la famille. Bam, ça y est, on a la dernière photo. On a été très très fort. On a tout donné. Et ce que je pense de ma famille, c'est qu'on a vraiment géré parce que voilà, on s'est bien entendu. Tout le monde a été réactif, réceptif. On s'est dispersé les rôles. Franchement, cette battle, elle peut être pour nous. Oh, venons faire le bordel dans le salon. Et oui, les coussins dessus. Et oui, les oui, oui exactement. Ça. Ah, un after. Genre mode after. Genre mode after. TV, les gars, TV. Ah, moi, je vais mettre comme ça sur la table. Voilà, sur la table. On est hyper fluide, on a beaucoup d'idées, ça s'arrête pas. Dernière photo, on fait vraiment une photo soirée, en fait. Comme si on avait passé une soirée de malade, de dingue, et on nous a pris en photo qu'on s'est en train de dormir. Parfait. Voilà, parfait. C'est là. Allez, je fais la photo. Allez, vas-y, envoyez tout. Je suis un peu bras gauche.
Mais clairement, en cassant le verre, je me dis, mais c'est une idée de génie. Là, la photo, elle sera encore plus réaliste avec des verres cassés. Clairement, la photo, elle peut que être réussite. Et ouais, comme quoi, ça sert pas à rien d'être bête. Là, on est dans les 5 dernières minutes. Là, là, regarde-moi. Non, tu caches tout, là, Greg. Non, mais s'il la prend en hauteur, s'il la prend en hauteur. Mais faut tomber de la table, faut tomber d'en haut, pas tomber d'en bas. Un pied sur la table et un pied par terre. Bah oui. Là, Jules, tu me vois ou pas, tu crois? Par terre. Voilà, aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu es malade ou quoi, ma jambe? Attendez, stop, je vais casser ma jambe là. Qui c'est qui passe derrière? Oh, ta mère. Oh, attends. Allez, ferme-la. C'est un carnage, il y a Flo, il a la tête dans les fesses de Maëva. Je sais pas ce qu'il fait, Maëva, elle crie, mais calmez-vous. C'est pas le moment de se disputer. Chaque minute compte, c'est une battle à 1000 points. Il vous faut ces 1000 points. 1, 2... Oh, elle est belle. Oh, elle est magique, ah, celle-là. Ah, 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 ah. Regardez ça. Ça y en a fini. Oh là 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 là, le carnage. Et la bouteille. La bouteille bébé au trempé. On a glissé. Fais voir. Une. Ah ouais, ça c'est vraiment nos soirées. On a gagné. Allez. Fini. Avec ma famille, on est trop fiers de nous parce qu'il y a eu vraiment une cohésion d'équipe. On a vraiment tout donné, on s'est tous écoutés. Et franchement, ça fait du bien. Brenda, tu peux lui dire qu'on a été incroyables. Tu peux leur dire. Vous avez été les deux familles incroyables. Oh, tu nous as plus suivis quand même, nous, que... C'est pas pour rien que t'es habillé en bleu. Parce que vous avez plus de matchs. Ok, donc ça a été les Marseillais. Ouais, on s'est régalé. Super. Je pense, on a pris du plaisir. Je pense que c'était très créatif. Okay. On s'est même pas disputé une seule fois. Bonne cohésion. Ok, et le reste du monde? Trop bien. C'était incroyable. Comme d'hab. On est parti sur de la créativité, comme tu as voilà. dit. Voilà, j'ai vu un peu de moutarde. T'as vu? On a donné. Hein. Ouais, j'ai vu beaucoup de créativité. On a vu du show. Clairement, on a toute notre chance de l'emporter. Mais surtout, là où je suis content, c'est que Giuseppa, elle se marre. Elle est de nouveau pétillante, elle est de nouveau fofolle. Et ça, ça fait plaisir. Donc, pour les 1000 points, vous le saurez plus tard. Ouais. Je verrai ça avec Catalia. Et donc, merci d'avoir joué le jeu. Allez, merci. Bonne soirée. C'est la fin de la battle. C'est l'heure pour Brenda, l'intervenante, de partir. Et nous, direction se préparer pour la guinguette. Et ce soir, je vais fouler le dance floor de la guinguette et peut-être me rapprocher un peu d'Océane. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je dis. Ouais, quand tu es beau, tu es bien coiffé, tu es beau, tu as une belle chemise. Tu penses? Très, très beau. C'est ma première guinguette. Je mets les petits habits dans les grands. Bien beau, beau gosse. Parce que ce soir, Mélanie, il faut qu'elle fasse. Mais c'est mon bébé au sein. Voilà, il faut qu'elle craque. Et moi, j'ai envie de la faire craquer. T'as chaud? Très chaud, là. Il est trempé. Il est dans la savane. Ne l'approche pas parce qu'il est trempé. Pourquoi tu me fuis? Il te fuit. Il me fuit, oh, j'avance vers lui, il se barre. Je suis sous pression, là. Je trempe. Il est sous pression. Je suis trempé. Viens, fais-moi un câlin. Tu veux courir après? Bah oui. Hein? Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est à toi de me courir après. Vas-y, viens. Pourquoi tu battes? C'est bon. Merci. J'essaie de m'assortir à toi, tu vois. Ouais. J'ai le cœur, il fait ch'toboboum, ch'toboboum, ch'toboboum. Ah là là, elle est belle hein, quand même. Bah 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 bah. The place to be. Hein. Allez, ce soir, c'est guinguette. Je sens que ce soir, à la guinguette, on va se régaler. Il y a plein d'histoires. Julien Bert qui est plus avec Ilona, finito pipo. Peut peut-être se rapprocher d'Océane ce soir. Et pour couronner le tout, Greg et Mélanie qui peuvent peut-être s'embrasser. Je sens que ce soir, ça va être une grosse guinguette. Pas le temps. Yeah. Je me sens très heureux, très épanoui. Oh. Simple et efficace. Ah. Oh, 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 oh. Ça y est. Ah oui, c'est la gamelle. Mazel tov. Allez, va. Ouais. Qu'ils finissent ensemble, je m'en bats les steaks. J'ai une énorme bombe. Oh. Et alors, il s'est passé quoi de fou? Luna, elle a fait un lit basket. Oui, j'ai fait un lit basket. Et alors? J'ai entendu un ou deux petits bruits de bisous. Ah. On a fait un bisou. Ah bon? Occupez-vous de vos oignons. Oh. Réunion. Océane. J'ai bien fait de le quitter. Allez, les gars, duel des champions. Paga. Oh. Tristan. Oh. Allez. Il me fait
fais pas peur, hein, moi, je suis malade. Il parle toujours les Marseillais, à chaque fois il perd. Il faut à tout prix manger Mila. C'est le moment. Non. Oh là là. Allez, go, go, go. C'est ça.